Que tu aies un enfant, ou trois, ou dix, tes parents. À partir de un, tes parents. Et puis il y a des enfants, ils comptent pour 12. Dans tous les cas, si t'es parent, ça veut dire que t'as des moments difficiles. Parce qu'être parent, c'est un des trucs les plus merveilleux et les plus difficiles en même temps. C'est en même temps. C'est pas soit merveilleux, soit difficile. C'est les deux en même temps. Donc si tu trouves que c'est difficile, ça veut juste dire que t'es un bon parent qui essaye de faire de son mieux. Moi, je veux t'encourager. Parce qu'il y a des journées qui sont vraiment difficiles et on les a toutes. Mais ça veut pas dire que t'es un mauvais parent. Au contraire, si tu te poses la question, si tu te dis « Ah, j'aimerais faire mieux », ça veut dire que t'es un parent super. Et puis personne t'a demandé d'être parfait. T'as le droit à l'erreur. T'as le droit d'essayer, de te rendre compte que ça a pas marché, puis d'essayer autre chose. Ça veut pas dire que t'es nul. En fait, c'est comme ça qu'on apprend même. C'est en essayant et en se rendant compte de ce qui marche et de ce qui marche pas. Tu fais sûrement ton mieux. Tes motivations, elles sont sûrement formidables. C'est d'avoir le meilleur pour ton enfant. D'essayer de reproduire ce que t'as aimé de bien dans ton enfance et de pas reproduire ce que t'as pas aimé dans ton enfance. Ça veut dire que tu te remets en question tout le temps, que tu nages à contre-courant, que tu vas au-delà de ce que t'aurais fait naturellement. Vous savez, quand on se pose pas de questions et qu'on reproduit juste. Et pour ça, bravo. Bravo, c'est déjà difficile ça. Alors ne rajoute pas de la culpabilité par-dessus. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait « Traite-toi comme on traite sa meilleure amie ». Je me suis dit « Ouh, j'ai besoin de ça moi. J'ai besoin d'être un peu plus douce avec moi-même. C'est ok de se tromper. » Et hésite pas à dire à tes enfants que toi, c'est eux qui t'ont rendu maman. Tu l'étais pas avant, tu sais pas comment on fait, tu découvres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on les aime de tout notre cœur et qu'on cherche le meilleur pour eux. Ils peuvent comprendre. Courage.